Eh bien, salut tout le monde, c'est Skydiz, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, normalement, ma dernière vidéo avec le Dazzle. Et oui, parce que normalement, j'aurai mon Alligato, Kalimaska, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc, par contre, je viens de déménager, donc si je suis encore debout, c'est normal. Si vous m'entendez faire pas mal de choses, c'est normal, parce que c'est la première fois que je mets l'installation qui a l'air vraiment pas mal. Voilà, c'est bon. Bon, bah, écoutez, là, comme ça, ça fait vraiment pas mal. Ça fait vraiment cool, ça fait vraiment bien geek. Non, je rigole. Le déménagement s'est super bien passé. Merci pour les gens sur Twitter qui m'ont suivi à mon déménagement. Bon, ils m'ont pas aidé, mais moralement, vous m'avez aidé. C'est super sympa. Alors, juste faire un truc. De toute façon, ça vous le verrez pas. J'aurais que juste ma télé. Oh. Désolé. Ah, voilà. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Je change juste un peu de format parce qu'il a les barres noires, comme vous voyez. C'est-à-dire que je suis en HQ. Pour quelques jeux, c'est mal optimisé. C'est dommage. C'est pour ça qu'après, j'aurai mon Elgato. Je pourrais filmer en HDMI, jouer en HDMI. Ah, bon. Vous savez pas sur quoi on se retrouve, mais si. La voix off l'a dit, on se retrouve sur Soul Calibur 5. Et ouais, 2 mois d'entraînement pour cette voix de merde. pour ma part, bref, je vais peut-être augmenter le son du jeu. Hop. Non, mais en fait, non, pas trop. Je baisse. Voilà, donc, on est sur Soul Calibur 5. Je vais pas aller en live parce que j'ai gagné que un combat. C'est vraiment, il joue vraiment très bien, mais il y en a qui savent vraiment pas jouer aussi. Donc bah, on va pas s'embêter, on va faire que des versus, hein. Je pense que la vidéo va durer entre 20 minutes, 30 minutes, hein. Je vais pas trop la faire longue parce que j'ai pas trop envie, mais vous inquiétez pas, moi je me mets en facile, tu déconnes, vous inquiétez pas, j'en ferai, la prochaine fois ce sera sur Saints Row, The Third, mais je vais le faire avec mon Elgato. Voilà, donc on commence la partie, to stage of history. Ouais, je suis trop en retard. Bref, je vais prendre ma personnage préférée. J'ai même créé des personnages après sur le... Je vais vous les montrer. Bon, je vais pas créer beaucoup, quoi. On va prendre ma personnage préférée. Viola. Oh yeah. On va mettre contre Tina. Non, parce que je vais apprendre après Tina. Mais contre Ezio Auditore. Eh oui, le grand invité de Soul Calibur 5. Dans Soul Calibur 2, je me rappelle, c'était Link sur la version GameCube que j'avais adoré. Bref, bon, on va jouer sur le terrain de Viola, bien sûr. Je vais... Jour. Après, je pourrais vous permettre de mettre un peu de nuit, parce que j'aurai enfin mon câble, j'aurai enfin le Elgato, je pourrais jouer en HDMI et filmer en HDMI. Allez, je suis pas super fort à ce jeu là, vous allez peut-être m'entendre rager ou soit m'étonner. Rah, j'adore ce jeu, ah, elle est belle en plus, celui-là. Tu vous Ezio. Ah, c'est toi qui a pas me provoqué. Fight. Ça fait 2 mois que j'y ai pas joué. Non, j'exagère un peu, mais ça fait pas mal de temps que j'y ai pas joué pour vous dire. Là, j'ai pas l'air super bon. Oh, encore, je me débrouille très bien. Oh, wouh, trop fort, allez hop. Un round chacun, c'est bien. La prochaine fois, je ferai une vidéo avec mon petit frère dessus, je pense. Parce que je pense qu'on va bien se marrer. Je sais pas, un ami va m'envoyer un message. Il doit pas savoir que je dois être en vidéo. Bon, c'est basta. C'est excusable. De toute façon, il le sait pas. Je préviens personne, moi, quand je suis en vidéo. Ah, je me suis baissé, espèce d'idiot. Ah, j'arrive pas à reprendre mon truc. Alors, je sais plus comment faire mes sortes de straight edge à moitié, mes sortes du team. Je me rappelle plus comment ils appellent ça, mais je me rappelle plus du tout comment faire avec ce personnage. Qui est mon personnage préféré, mais je sais pas faire, hein, écoutez. Hein. Non, c'est pas ça. Non, bon, écoutez. Oh là là. Oula, Ezio, il est pas content. Eh oh, Karis. Ouf, il m'a tué. Il a mis une balle. Aïe aïe aïe. Ouais, là, faut que je sois concentré. Mais. Attention! Ouais! Vous allez dire, mais il le bat à chaque fois comme ça, il est nul, mais non, ça, vous inquiétez pas. Oh! Comment j'ai eu?
Tu sais que la souffrance, tu sais ce que c'est la souffrance maintenant. Oh, c'est mignon, elle est trop belle. Je vais utiliser encore quelques personnages, puis après on va utiliser les miens, bien sûr. Je fais les personnages. J'espère que cette vidéo sera assez intéressante pour vous, hein, parce que c'est du combat, donc je suis je suis pas comme dans Naruto, je connais un peu le jeu par cœur. C'est Soul Calibur, c'est vraiment un retour aux sources, le dernier que j'ai joué c'était le 2 quoi, donc on va la mettre contre Ivy, ou soit la personnage qui prend à chaque fois un bonnet dans ses seins tous les épisodes, hein. Oui, oui, c'est vrai, en plus je rigole pas. Tiens, ça a l'air pas mal ça. La spirale du bien ou du mal, je sais pas quoi. Pour créer nos personnages, on s'inspire aussi des bases de personnages, c'est-à-dire que moi, bah vous verrez, je vous expliquerai ça. Ah oui, là on peut casser des vitres dans ce. Dans ce terrain. Je bégaye, c'est horrible, ou ça j'hésite, tu vois. Fight, mais c'est pas grave! Hey ya! Oh! Allez, bitch! Ah voilà! Je me disais bien que je pouvais réussir à le faire. C'est un personnage assez vraiment tirant et vraiment une très bonne personnage, mais faut savoir contrôler parce que des fois bah je saute et puis je sais pas pourquoi je saute en fait. Perfect. Ouais. Et puis après un jour on essaiera un mode difficile et là vous allez voir rager. Fight. Titanbolt. Ok, là j'essaie de nouveler toujours. Oh, le combo Divi qui fait toujours mal. Ah, je vais réussir de le mettre, hein, je m'en fous. Oh non, elle s'est protégée. Je te hais. Je te hais. D'accord, je sais pas ce que j'ai fait. Oh oui. Oh, c'est magique ça. Ouais, j'ai réussi à faire mon truc là. C'est ça, il sort d'ultimo. Sinon, il y a Slate Edge, je crois que ça s'appelle comme ça, mais. Comment dire, j'arrive pas à les sortir parce que c'est vraiment assez dur. Faut vraiment bien jouer. Quoi. Moi, je joue juste pour le plaisir. Allez. Ah non, je peux pas le prendre comme ça. Ah, là, je peux. Oh yeah, hip hop bitch. Go. J'adore ce jeu. Si vous avez Soul Calibur sur Xbox, pourquoi pas faire quelques matchs. Hein. Vous avez vu mon niveau très nul, hein, de merde. Hein. Je joue beaucoup mieux normalement avec Viola, c'est quand la première personne. Ah, la première personne que vous avez vu quand j'ai combattu. Oh là là, je me suis fait avoir, mais comme une merde. Oh, j'ai pas eu. Voilà, regardez, boum. Elle m'a pris comme ça, j'ai. Oh là là, mon dieu. Ah tiens, vas-y, bouffe. Ah non, on a plus ce qu'il disait à cause d'un ami qui est connecté, qui invite des joueurs à jouer à Naruto. Bon, pas grave, on va pas faire le match juste pour une phrase, hein, écoutez. On va prendre... Qui j'aime bien prendre... Ah, écoutez, j'aime beaucoup cette personnage-là. C'est pas parce qu'elle est belle, hein, c'est juste parce qu'elle a des super combos et en fait elle mélange, cette personnage là mélange en fait tous les personnages. C'est à dire qu'à chaque round on change de style de combat et par exemple je sais pas, round 1 je peux avoir le style de combat des yeux, après le style de combat de Viola et puis après round 3 celle de Tira, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment bien franchement, c'est un personnage que je pense que les PGM de jeu aiment prendre. On va faire jeu contre Fira. Fira Omega, c'est à dire qu'elle est en mode méchant de jeu. Et ouais, j'ai quand même fini le jeu, même si l'histoire est juste nulle. Parce que moi, je me rappelle dans les autres Soul Calibur, sur cette map là, dans les autres Soul Calibur, ce qui était vraiment bien, c'était qu'on pouvait faire les histoires avec tous les personnages. Là, on en a que 2 ou 3, même pas, on en a que 1. Et puis des fois, on prend d'autres personnages parce que l'histoire le veut, mais c'est tout. Et c'est vraiment pathétique quoi pour ça. Soul Edge doit être détruit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer. Parce que je me rappelle plus. Je tiens la vie. Ah bah regardez, là moi je me bats. Oh non, là je me bats comme Eevee, voilà, c'est la personnage qu'on a vu la dernière fois. Et elle est très simple à manier, Eevee, hein. C'est vraiment le personnage que on peut vraiment bien développer, regardez-moi ça, à chaque fois qu'on met des coups, il y a pratiquement à chaque fois une cinématique pour vous dire, donc Ah mais laisse-moi tranquille, je sais pas moi. Great. Oh non, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Ah ah ah, tu as peur. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi attaquer. Oh mon dieu, je... Ah, je suis nul. Oh mon dieu. Alors là, c'était nul à chier. Ah là, je me bats contre avec les pouvoirs de Viola. Donc c'est une personnage que je connais énormément. Sauf que là, j'y arrive pas. C'est pas vrai, mais... Laisse-moi tranquille.
Attention, j'arrive. Aïe. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, je vais pas faire ça. C'est la faute de la manette. On se voit que c'est ce qu'ils sont faciles, hein, parce que normalement ils se laissent pas faire comme ça, je vous le dis. Oh, c'est pas vrai, j'ai perdu 2 rounds. Attends, non, non, attends, je joue en facile ou quoi? Fight. Ah là, bah voilà, là je me bats comme, comme elle, comme Fira, comme celle que vous voyez. Ça va mettre du pâté. Allez. Ah. Oh, oh, oh. Oh oui, quel chaos. Je t'y bats quand même à la fin, tu sais, je profite d'elle. Oh, oh, j'ai fait quoi là? Faut que je recommence. C'est quoi ce que j'ai fait? J'ai mis un truc bleu là. Ah mais là c'est plus Fira là, c'est quelqu'un d'autre je crois. Je crois que c'est pas très colosse ou je sais pas quoi. Je connais pas tous les personnages, c'est pour ça. Là je fais un peu la même chose, j'aime pas faire que ça. Bah voilà, là elle me tord le cou. Oh mais bien sûr, et puis oh là là. Elle est pas abusée cette perso. Je rigole. Parce que là elle joue très bien. Ah regarde, moi je te pointe. Aïe. Oh oui, oh, regardez-moi ça, quelle fin jouissif. Regardez-moi ça. Alors là, la petite chope est là. Boum boum. Oh, oh, oh ouais. Ah bah là je me bats comme Fira. Je crois que c'est ça. Ouais c'est ça ouais. Ah, ah oui oui c'est comme Fira parce que c'est une disparaît. Ah maintenant on va taper en bas. Non tu t'es protégé, je vais le montrer à tout le monde. C'est ta faute. Si ta maman et t'a pas aimé, c'est ta faute. Maman. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Putain, Slay Edge. Oh heureusement que je me suis pas pris. En fait ça c'est les ultimes de personnages que j'arrive jamais à sortir. Yeah. Oh. Vas-y meurs. Oh chaud. Chaud chaud chaud. Retourne dans la bise, hein. Pas dans la pisse, hein, dans la bise. Ok, blague horrible, je sors. Bon, alors, maintenant, on va aller voir du côté des personnages que j'ai créés. Donc, eh ben, elles ressemblent tous un peu à Viola, hein. C'est beaucoup de... Celle-là, c'est ma première, voilà, style Viola de combat. Elle, et elle, c'est une de mes dernières, style Viola aussi. Sur la, le style tiré aussi de Fira. Hein. Donc, on va prendre ce personnage-là. Viola contre. On va faire battre contre une autre de mes personnages comme ça. Putain, elle, j'ai bien aimé la créer. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est quand on leur met trop de coups, obligatoirement, ils perdent tous leurs habits. En fait, c'est juste pour. Comment dire. Juste pour les personnages qu'on a créés, je trouve ça vraiment nul parce que moi, je les aime bien comme ils sont. Je trouve ça vraiment débile. Franchement, c'est. On peut pas l'enlever. En plus, je me suis renseigné quand on crée un personnage, c'est obligatoire que des fois, bah, tes vêtements ils s'enlèvent afin de prendre des coups, quoi. Et c'est... On peut pas enlever juste, par exemple, les bottes, non, rien. C'est carrément, moi, des fois, je sais que je me retrouve en sous-vêtements, quoi. Et avec elle, c'est horrible. Ah, quelle dance of me, j'adore dire ça par énerver mon frère. Je sens qu'on va s'entendre. Oh, alors, regarde, écoutez-moi cette musique là. Fight. Tu seras déshabillé avant moi. Non, je... c'est trop con. Ouais, aïe aïe. Tu peux pas faire ça, c'est moi qui t'ai créé. Oh putain, la chope deux fois de suite. Je suis mauvais. Voilà, la chope. Allez, voilà. Là, je savais bien que j'allais toujours faire ce combo. Allez, hop. Allez, on y va. Ah, je vais pas faire... Ah bah non, je vais faire le truc en bas à la fin, quand il était à terre, en fait. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Je suis nul. Ouais, je sais que vous aimez quand je suis nul, donc c'est marrant, hein. Ah, bah allez. Combo d'amour. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh la connasse. Dès que je commence à enchaîner, tu sais, elle a la haine. Oh, c'est pas vrai. Laisse-moi faire l'attaque que je veux aussi. Oh, 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 voilà, c'est pas ça que je voulais faire, mais ça a très bien marché. Attention, la chope. Oh oui, ça j'ai trop travaillé ce combo. Même si c'est très nul, c'est très très débutant. Mais tout le monde tombe dans mon piège. Donc, que ce soit en live, même si j'ai pas gagné beaucoup de combats en classé. Sinon, j'avais gagné quand même pas mal. Hein. Je suis très content. Je vais vous montrer peut-être à la fin de la vidéo. Non, je pense pas, mais peut-être un jour, le premier combat que j'ai gagné dans Soul Calibur, je vous jure, quand j'ai gagné, tellement ils sont chiants, tellement ils sont. Ils sont pas super fair play, surtout les débutants du jeu quand ils savent pas trop jouer. Moi j'essaie de mettre des combos parce que moi j'ai un ami qui joue à Soul Calibur donc je sais un peu ce que c'est. Même si je me fais littéralement défoncer à chaque match. Mais voilà, et quand il y a quelqu'un qui fait. Alors attends, je vais essayer de vous montrer. Ah putain, mon dieu. À part si je me fais défoncer comme bah, voilà, comme là. Quand vous avez des gens. Ah oui, là, changement de map. Hein,
Pas changement de mode, mais là c'est la mort. Que vous avez des gens qui jouent comme ça, c'est... Regardez. Très stabilisant. Ah, attends. Voilà, ils font que ça, et ils arrivent et ils te refauchent, ils te font ça. Voilà. Hop, comme ça, ça me fait gagner un round, ils font ça. Et encore là, la map, elle est détruite. Mais c'est vraiment horrible. Et c'est vrai que vous, les PGM du jeu, vous pouvez voir, si je m'adresse à des gens qui jouent à ce jeu, bien sûr. Oh merde, vous pouvez voir que c'est très facile à échapper, mais moi j'arrive pas du tout. Oh merde. Oh non, pas encore. Oh, c'est bon, j'ai quand même arrêté ce truc. Où elle est? J'ai pas intérêt de perdre. Pas ici, pas à ce stade là. Ah putain, c'est pas vrai. Allez, 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 Viola, allez. Allez. Allez, oui, ma boule. Je suis trop fort. Non, je suis trop nul. Hein. Ouh, ça fait un ou deux mois que j'ai pas joué. Franchement, c'est... Ouais, on perd énormément. Oh, ça suffit pour aujourd'hui. Comment elle est belle. Par contre, on voit pas trop son visage. Bon. Bref. On va combattre cette fois avec... un personnage que j'ai créé sur la base de Tira, et sauf que j'ai mis les habits de Elysium, je crois, voilà, je crois que c'est pas comme ça. Et on va le faire battre contre Elvis Presley ninja. Bon, en fait c'est mélange d'Elvis Presley et d'un ninja, vous allez voir ce que ça donne, c'est très drôle. J'ai tout adoré ce personnage, même si je joue pas, ça me fait énormément rire. Et aussi en live, beaucoup tout le monde joue avec des grosses épées, donc tout ce qui est Nightmare et tout ça, ils sont souvent pris, c'est très dur de gagner contre eux, quoi. You're an accent tough. Voilà, Elvis Presley et un ninja. Quel mélange de malade. Franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. Oh là là, j'ai mal prévu ses mouvements. À moi d'attaquer. Ah bah même pas. Non, c'est pas à moi, d'accord. C'est comme tu veux. Mais là, c'est strat à moi. À moi. Je me suis encore loupé. Elle est très imprévisible quand même. Tira, parce qu'on sait pas trop où elle va. Putain, mais attends, elle est suicidée, j'ai un coup où je me suicide. Vous avez vu, attends, remettez peut-être en replay un peu, mais j'ai un coup où je me tape la tête pour provoquer l'ennemi sur mon anneau, donc je perds quand même un peu de vie. C'est quoi cette merde? Non mais... Ah, ça me déstabilise, wesh. Allez, hip hop, bitch. Oh. Ah, t'as la haine, hein, t'as la haine. Fight. Shaya. Oh oui, oh ça c'était bien joué. Oui, bien joué. Vous allez me dire, ouais, mais t'as pu faire un parquet de boutons. Non, j'essaye de bien faire en plus mon truc et ça marche très bien. Voilà, voilà. Ah, j'ai presque fait un perfect. Ça sent très bon. Faut pas qu'il gagne un round, j'ai pas envie. J'ai dit que j'avais pas envie. Hip hop, bitch. Ah non, je me suis loupé, j'ai cru que c'était lui qui faisait le coup en feu là. Et j'ai stoppé en fait, je me suis dit merde, faut que je fasse quelque chose, j'ai appuyé sur une autre touche pour l'arrêter en fait. Ah non, j'ai trop voulu le battre comme ça. Pas grave. Allez, oh bah oui. T'as la haine, hein. Personne n'a dit que la vie était facile. Et ouais, t'as vu, wesh wesh. Ah ouais, allez, 5 victoires pour 0 défaite. Attends, tu crois que tu kills? Bref, je vais jouer maintenant avec... avec qui? Après les autres personnages, j'ai pas tout essayé. Ah, lui, il est complètement pété comme personnage. Je vais voir, il est surpuissant avec sa grande... c'est pas une épée, c'est plutôt une lance. On va faire battre contre le... Contre... pas Hulk, comment... Shrek. Voilà. Oui, d'accord, ok. Et c'est vrai que même, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, les personnages qu'on a créés, on peut jouer en live avec. Des fois, on voit des trucs vraiment super et des fois, on voit des trucs horribles. C'est horrible. Vous allez voir, après, prochain combo, je vais prendre un personnage aléatoire. Il va être changé aléatoirement et tout. Vous allez voir, des fois, ça peut être très moche, comme des fois, ça peut être très... Eh, la forme, bitch. Silence vermine. Ah, il a un truc d'Iron Man, c'est ça. Allez, ah non, mais il est cheaté, ce personnage, pourquoi j'y arrive pas? Oh, regardez, ça c'est cheaté de la mort. Et moi on faisait ça à chaque fois, ça m'énervait. C'est cheaté ça. Et les coups là, regardez, attends, j'essaie de faire ce coup là, il l'abat tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, il le fait. Et là,
Wouhou! Tiens, vas-y, bitch! Je sais pas jouer avec ce perso, mais beaucoup de débutants le prennent, même beaucoup de gens qui même confirmé, et c'est vrai qu'on se met, mettre à l'amende par des gens comme ça, quoi. Oh la merde! Oh putain, je suis tombé! Voilà, on commence un match, il nous pousse, voilà, c'est vraiment ça. Fight! Ah, tu avais pas vu ça, hein? Maintenant, voilà, je vais pas faire ça. Aïe 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 aïe! Étourdissement! Oh là! Il va encore me pousser! Ah! tiens, bitch! Oh, j'ai pensé mon bâton, je crois. Allez, allez! Vous savez que je sais pas jouer avec ce personnage, mais ça va, j'enchaîne quand même un peu. Après, c'est assez facile quand on coupe haut, ils ont un peu tous les mêmes. Oh putain! Oui! Ils ont un peu tous ces mêmes combos quand c'est en haut, bien sûr, il va taper en haut. Bon, c'est très différent des trames et puis des animations, bien sûr, à chaque personnage, mais. On voit quand même ça très bien. Hop, on y va. Here we go. Ah, ah merde, je crois que j'ai mis le son trop fort de ma télé. De mon casque. Alors, juste là, je suis désolé. Parce qu'en fait, on l'entend dans le micro. J'ai vu ça. Dans toutes mes vidéos, pratiquement sur, à partir de Skyrim, on entend le son du jeu des fois deux fois. Même sur Final Fantasy, ça le fait. C'est vraiment désagréable. Oh oui, alors là, perfect. Là, j'ai très bien mis. C'est vraiment désagréable et je le sais. Donc là, je vais baisser le son. De toute façon, après là, je vais m'acheter un micro fixe et un super casque qui s'appelle un Triton. Non, je vais m'acheter pas mal de choses là, comme j'ai un peu économisé depuis pas mal de temps. Et puis là, je peux enfin me lâcher. Hein. Bon, oui, je vous avais dit, je vais choisir un personnage aléatoire. Donc, à prendre un personnage féminin parce que vous savez, j'adore les femmes. Quoi, bah tiens, un personnage aléatoire masculin. Allez hop, vous allez voir, des fois, c'est des trucs moches, mais moches. Alors, attendez. Hop, voilà. Et on va choisir la map aléatoire, allez vas-y, on est des malades aléatoires. Oh bah ma map préférée, sauf que là c'est dans la In the Night, bitch. Donc moi j'ai essayé de Fira et de Metsugiri. Ah oh bah Fira ça me va. Ting ting ting. Ah non mais en fait il fait jour, je suis débile. Voilà, ça c'est moi. Voilà, je vous ai dit que ça fait des trucs horribles hein. Lui il est un peu plus la classe et encore. Ah non mais moi je suis moche. Mais c'est quoi ces habits? Mais ah, ça donne envie de vomir hein. Ah là, ça par contre je sais bien faire le truc avec avec Fira. Oh, 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 tu attends Hulk hein. Oh, ce que je t'ai mis. Oh oui, oh c'était magnifique. Et le petit T-bag. Le petit T-bag qui fait très très mal. Fight. Hop. Pendant qu'il est à terre, on peut le frapper? Non, on peut pas. J'ai pas réussi. Ah bah là, je vais éviter de tenter trop de fois. Je vais dire, ouais, c'est un débutant, il n'y arrive pas, il le met trop de fois. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est le jeu à Soul Calibur. En fait, le gars, c'est un master. C'est le gars qui a joué à ça toute sa vie et à aucun jeu. Tu veux jouer contre moi, Skye? Non, 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 Skye, va s'abstenir. Je parle de moi à la troisième personne et oui, ça m'arrive. Hop! Tiens, bitch. Non, T-bag. C'est comme ça que j'appelle les coups bas, le T-bag. Hop, on recommence, et attention. On va finir sans beauté, bitch. Oh. Alors là, alors même Baba Cool là avec ses lunettes, regardez-moi ça. Intéressant. Mon dieu, c'est ça. C'est la dernière fois que je prends un personnage aléatoire comme ça, je pense. Bref, on va juste, on va comment. Je vous montrerai encore un dernier personnage et bah on va y aller. Hein. Bon, en fait, je vais reprendre Viola parce que j'ai très mal joué avec elle et sauf qu'on va prendre un autre personnage contre elle. Tiens, elle, Hyde. Oh non, non, pas Hyde. J'aime bien. En fait, eux deux, je crois qu'ils sont liés. Je crois qu'ils sortent même ensemble. Mais regardez, ils auront un dialogue. Tu vois, j'aime bien cette map. Ils ont un dialogue entre deux comme quoi il faut vraiment que ça soit sérieux notre combat. Et puis, oui, je crois bien. Et puis, en fait, quand je le bats avec avec Viola, Viola dit relève-toi. Je sais pas comment il s'appelle ce gars-là. Regardez, écoutez-moi. Ce combat est-il nécessaire? Voilà. Et puis, lui va répondre oui, je le crois bien. Oui, je pense qu'il l'est. Voilà. Fight. Pas de sentiment. Aucun sentiment. J'en ai jamais eu de façon. Tu m'as quitté. Non, je sais pas ce qui s'est passé entre deux. Hein. Par contre, je le zigouille. Ah là, je joue comme si j'étais en live, comme si c'était le cas en live. Attention. La shop qui remarche. Allez. Ma bouboule. Oh, perfect.
T'as vu comment je t'ai mis à zéro. En fait, lui, c'est comment il sort. Il a pas une boule, mais il peut faire sortir une sorte de monstre à moitié de son. Et c'est, ça fait vraiment mal. Par contre, là, j'ai fait la même touche, j'aime pas ça. Oh, don't move, bitch! Ah non, je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez, il sort ça, c'est vraiment horrible. Hein. Ah non, je vais pas faire ça. Je veux la cinématique avec la bouboule en fait, de la chope avec la bouboule. Putain, arrête de le provoquer, putain. Ah, mais j'essaie de vous montrer depuis tard, je suis pas concentré en fait. Bon, écoutez, je vais essayer de vous la montrer là tout de suite parce que j'aurai la bouboule. Pourquoi pas. Voilà. Boum. Ça va faire super mal parce que je pense qu'il y a un certain pouvoir avec. Ah là là là. Bitch, please! Oh oui, qu'est-ce que c'était beau. Voilà. Oula, oh non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Oh putain, son CD. Je crois que ça s'appelle comme ça, ça fait... il fait vraiment mal ce truc. Et puis il m'enchaîne derrière et oh. Oh, 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 oh putain. Je me suis fait littéralement. Je sais pas, vous avez pas entendu mes parents, parce que c'est un peu gris, je sais pas pourquoi. T'es tombé en. Parce qu'en fait, dans ma nouvelle maison, c'est cool, j'ai une super connexion internet, j'ai 25 mégas comparé à mes 8 que j'avais avant. Mais quand c'est mal insonorisé, c'est vraiment nul quoi. Regardez. Réveille-toi, Zway. Je sais pas. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle me dise ça, moi. Ouais, on va quand même finir là, mes petits amis. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Demandez-moi si vous voulez encore une vidéo dessus, écoutez. Moi, ce sera avec ravir. Eh ouais, non. Ce sera avec plaisir. On fera de l'arcade cette fois-ci, genre, on doit battre beaucoup d'ennemis. Genre 6-7 ennemis comme avant et puis faut gagner à la fin quoi, voilà. Surtout faut pas perdre. Bref, je pense que cette vidéo est finie, même j'ai dit elle est finie. Donc bah merci de votre soutien, ça fait très plaisir, on est 124 abonnés, bah voilà, ça fait énormément plaisir. Donc cette vidéo est terminée et moi je rends l'antenne. Allez, salut tout le monde.